catch 'em all. Et salut à tous les amis, aujourd'hui c'est Mathis. On se retrouve sur une nouvelle vidéo de Glitch. Vidéo un peu spéciale parce que pour une fois c'est sur Alcatraz. Je sais que ça faisait longtemps sur Alcatraz. Mais ce glitch, les gars, par rapport à ce que j'ai fait avant, il est vraiment hyper OP. Intouchable, cette fois je suis sûr que vous ne mourrez pas. Ces zombies, en fait, vous êtes tellement en l'air que vous ne toucherez pas. Et c'est pas un truc avec les deux trucs dans les mains, là, je sais plus comment ça s'appelle. Parce qu'à chaque fois qu'on utilisait ça, parce que c'est dur à faire, là c'est vraiment le glitch le plus simple au monde. Moi je vous conseille d'avoir les tomahawks parce qu'en fait vous allez être perché sur un bidon et si vous descendez il y aura un full zombie, vous mourrez. Et pourquoi les tomahawks? Parce que s'il y a un objet par exemple en bas munition max, vous lancez un tomahawk dessus et vous l'avez pour ceux qui ne savent pas. Et pour ceux qui ne savent pas où sont les tomahawks, c'est simple, il faut activer tous les courants et il faudra prendre un truc pour aller sous terre. Et voilà. Mais bon, ça on s'en fout un peu. Donc pour ce glitch, bon, il va falloir bien faire ce que je vais faire dans la vidéo. Vous allez devoir activer le courant. Là, moi, je me suis mis full tune et tout. Voilà, voilà. Vous allez devoir activer le courant. Là-bas. Et puis après, avant de faire le glitch, vous allez devoir tuer les chiens qui apparaissent que, une fois que vous êtes dans la prison. Et puis après, revenir ici. Parce que sinon, vous allez vous mettre en hauteur, le glitch va bugger. Et vous n'aurez jamais de zombies qui vont arriver. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, la manche ne se termine pas, il n'y a plus de zombies, mais la manche ne recommence pas. Donc faites bien ce que je fais. Donc là, je vais essayer deux fois de faire le glitch, mais essayez pas maintenant, ça rate. En fait, il est hyper simple en vrai. J'ai réussi au bout de 4 fois, je crois. Voilà, boum. Vous allez devoir tous les tuer. Donc, ouais, donc là, ça, c'est le truc du glitch. Mais là, faites-le pas maintenant, parce que d'abord, il faut faire un truc avant de faire le glitch. Il faut tuer les chiens qui sont de l'autre côté. Donc là, je re-essaye. Je vais quand même re-essayer. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça derrière pendant que j'ai tourné. Voilà, là, je vais re-essayer. Hop. Donc là, j'y étais presque. Bon, voilà. Bon, après, passons à l'étape 2 avant de passer à la dernière étape. Vous allez devoir vous rendre de l'autre côté. Voilà. Ah, voilà. Voilà mon shoot. Ouais, sur Black Ops 2, j'ai la meilleure. D'ailleurs, sur la map X1, bah déjà j'ai acheté le pass à 50€. Maintenant, j'ai toutes les maps et tout. Et sur la map X1, en mode, je sais plus, soit normal ou soit hardcore, j'ai fait, moi, je suis 37. Record à battre. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà fait plus. Franchement, moi, je pense que c'est pas mal pour mes débuts. Sur le max, en plus, je la connais pas trop. Maintenant, je sais faire le pack à punch, je sais tout faire. Sauf le secret. Le secret, je l'ai déjà vu sur YouTube, mais il est un peu chaud quand même. Bon voilà, donc là vous tuez les chiens. Une fois que vous les avez tous tués. Donc là normalement il aurait dû en avoir un. Je ne sais pas pourquoi il est pas venu. Voilà voilà. Vous allez devoir vous rendre pour faire le lead. Donc là je vais réussir du deuxième coup je crois. Donc ça aussi c'est un peu chiant ces mains. Donc là vous devez aller là. Donc voilà, donc là je rate. Là je vais buter le... Non ça bute 3 fois ouais, c'est vrai. Parce que voilà, là je passe la manche, là je saute, et hop. Après évitez trop de bouger pour pas tomber, ça serait un peu bête. Je sais pas, mais je pense que ce glitch mon patch parce qu'il est vraiment très très OP. Donc voilà. Donc les gars, voilà, comme vous pouvez le voir, les zombies restent bien dessous. Moi je vous dis qu'on se retrouve en accéléré pour avoir une grosse vague de zombies, pour voir ce que ça fait. Bon, allez, à toutes. Donc voilà les gars, on se retrouve. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un amas de zombies qui arrivent et tout. C'est vraiment le gros délire. Donc là, voilà. Comment vous dire, ce glitch, il est vraiment OP en vrai. Mais ouais, un pote à moi, il a fait manche champ. Mais bon, après moi, je le fais pas en ligne parce que voilà, je trouve que ça sert à chier. Moi, je fais ça, voilà, pour vous apprendre des trucs et tout ça. Là. Pour ça, tous les mecs que les jeunes. Parce qu'après ça se fait pas de passer ces niveaux comme ça sur map, je trouve. Donc là ouais si vous voulez faire en ligne pour vous faire full hein, moi je dis rien contre. Hein.
Bah, je vous dis que ce but, il est vraiment bon. Au moins, les gars, sur ce, je vous dis ciao tout le monde. Bon game. Et surtout, abonnez-vous. Allez, tchuss.